Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue en cette nouvelle semaine. Nous prions que le Dieu qui vous a préservé tout au long du mois de septembre, qui vous a préservé depuis le mois de janvier, qui vous a préservé depuis toutes les batailles que vous avez vécues, connues dans le ventre de vos parents, et vous êtes toujours sorti victorieux jusqu'à cette heure, que le même Dieu qui vous a préservé malgré l'adversité de l'ennemi, malgré les condamnations, malgré les déceptions, que ce même Dieu, au jour d'aujourd'hui, créateur de l'univers visible et invisible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, vous soutienne encore, vous fortifie, vous équipe dans le glorieux nom de Jésus. Ma prière en cette semaine est que le Seigneur soit glorifié encore dans toutes nos vies, dans vos vies, dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous disons merci à ce Dieu pour sa faveur, pour sa protection. Merci à ce Dieu qui a été avec nous tout au long de cette nuit pour ceux qui commencent la journée. Nous avons dormi comme des cadavres dans l'inconscience. Il a veillé, il a permis que toi et moi on se réveille. Disons-lui merci. Il a permis que ton épouse, ton époux, tes enfants se réveillent. Bien-aimé, dis-lui merci, c'est un privilège. Tu ne peux veiller sur toi lorsque tu es couché, mais c'est lui qui veille. Il est l'auteur de la vie, il est le souffle, il nous donne ce souffle de vie. Alors bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci. Ne commence pas par voir la journée, avoir les problèmes, avoir les batailles, avoir les challenges et les situations qui t'attendent, avoir toutes les grandes réunions, avoir tout ce qui allait commencer à se stresser. Commence par élever ta voix et lui dire merci. Commence par élever ta voix et le célébrer. Commence par élever ta voix et lui rendre grâce, gloire et honneur pour cette nouvelle semaine, pour cette fin de mois. Seigneur, nous te disons merci. Pour ta protection, pour ta direction, pour ta faveur, pour ta parole, nous te disons merci. Pour le souffle de vie, nous te disons merci. Pour nos familles, époux, épouses, enfants, Seigneur, nous te disons merci. Frères et sœurs, parents, nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Merci, toi qui nous donnes encore en cette nouvelle semaine, en cette journée, Seigneur, de partager ta parole. Viens guérir un cœur, viens fortifier quelqu'un, viens recharger quelqu'un, viens relever quelqu'un, viens diriger quelqu'un. Esprit du Dieu vivant, prends contrôle en cette nouvelle semaine de la vie du frère, de la vie de la sœur qui nous écoute, quel que soit l'endroit où il se trouve. Seigneur, charge, Seigneur, visite. Nous saluons les maisons qui nous accueillent dans le nom de Jésus et nous disons que la paix de Dieu vous inonde, que la paix de Dieu inonde tous ceux qui habitent vos maisons, que la paix de Dieu visite vos maisons dans tous les contours dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois au véhicule de ta voiture, dans ton bureau, à pied, à vélo, à moto, nous couvrons tout cela dans le sang de Jésus. En avion, en bateau, nous couvrons tout dans le sang de Jésus. Dans le métro, nous disons dans le sang de Jésus, la main de Dieu est sur toi. Par le sang de Jésus, la main de Dieu est sur toi dans cette maison, dans la vie de cette ménagère, au marché, la grâce de Dieu t'environne au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, te visite et te soutienne en cette nouvelle semaine dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Donc, bien-aimés, en cette matinée, nous voulons partager quelque chose de très édifiant et important lorsque nous disons encore voix grand. Voix grand. Mon frère, ma sœur, voix grand. Je suis Annie-Flore Zouan, l'épouse du révérend Jean-Colin Zouan. Amen, amen. Et je te dis ce matin, voix grand. Amen. Nous allons voir que, bien-aimés, de nombreuses personnes vivent avec une mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles se concentrent sur le négatif, se sentent inférieures ou incapables et avance toujours une raison pour laquelle elles ne peuvent être quand même heureuses. Et d'autres passent le temps à reporter leur bonheur à une date ultérieure. Tu vois, donc, lorsqu'on cause avec certains frères, avec certaines sœurs, il te dira toujours, un jour, les choses iront mieux dans ma vie. Un jour, je serai libérée de mon travail qui me dérange là et je jouirai de mon temps libre et j'aurai un meilleur travail. Un jour, je gagnerai plus d'argent et je n'aurai plus de soucis pour payer mes factures. Un jour, je serai en meilleure condition. Un jour, j'aurai une meilleure relation avec Dieu et j'apprécierai davantage sa bonté. Toujours un jour, un jour. Et les jours passent et les années passent. Et un jour ne vient jamais. Je voudrais te dire que le seul jour que tu as, c'est aujourd'hui.
Apprends à vivre, bien-aimé, comme si tu ne vivras pas demain. Je ne parle pas dans le sens que si peut-être tu as une économie, tu gaspilles tout au jour d'aujourd'hui et tu te dises que non, demain pourvoira à lui, ce n'est pas dans ce sens. Non, ne me comprends pas mal. Je suis en train de te dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent le temps à envoyer les meilleures choses, renvoyer les meilleures choses qu'elles pourraient vivre aujourd'hui à demain. Tandis qu'il y a une autre catégorie qui passe le temps à vivre dans le passé. C'est-à-dire, tu ne peux pas remplacer le passé. Et nous savons que, au jour d'aujourd'hui, certes, le futur a des très grandes choses pour nous, mais apprends à vivre heureux l'instant présent. Alléluia. Apprends à vivre l'instant présent. Pas seulement renvoyer à demain, ça va changer. Non, ça sera bon demain. Non, ça sera ceci demain. Non, ça sera comme ça après-demain. Non. Vois grand. Vois grand. Nous bénissons le Seigneur. J'avais lu le témoignage d'un homme. Il était en vacances dans un pays étranger. Il était avec sa femme. C'était un homme bon, il avait obtenu un succès modeste, mais il vivait tranquillement pendant qu'il avait déjà atteint les limites dans sa vie. Donc pour lui, il disait, je suis arrivé, j'ai déjà une maison, j'ai déjà comme ça, c'est bon pour moi. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne sont plus prêts à faire d'efforts, ils ne sont plus prêts à avancer, ils se disent, voilà, je suis dans ma zone de confort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Un de leurs amis était en train de les conduire dans une île qu'ils visitaient. Ils se sont arrêtés pour admirer une maison qui était perchée au sommet d'une colline et c'était très beau. Et la propriété en question était remplie de magnifiques palmiers, des jardins luxuriants, dans un cadre vraiment pittoresque et paisible, avec une vue et une vie, je ne sais pas quoi dire, panoramique, une vie surplombant à côté de l'océan. Alors que l'homme en question était en train de contempler la magnifique maison, il fit une remarque à sa femme et à son ami et dit, « Je ne peux même pas m'imaginer vivre dans un endroit comme celui-ci. Je ne peux pas m'imaginer. » Au même instant, quelque chose en lui disait, « Ne t'en fais pas, tu ne le vivras jamais. » Tu ne vivras jamais dans un lieu comme celui-ci. Et subitement, il se surprend par ses propres pensées et il se demande, okay, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui se passe en moi? Tant que tu ne peux pas l'imaginer, tant que tu ne peux pas le voir, cela ne t'arrivera pas. Commence à voir grand, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tant que tu ne peux pas l'imaginer, tant que tu ne peux pas le voir, cela ne t'arrivera pas. Dieu a dit à Abraham l'autre jour, sors de la maison de ton père. Il est sorti. Il est arrivé en endroit où Dieu lui a dit, regarde dans Genèse 13, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Il a dit, je vois les étoiles, je vois. Il dit, c'est comme ça que sera ta postérité. Elle sera multiple, multiple comme ces étoiles du ciel. C'est ce qu'Abraham a vu que Dieu était capable de lui donner. Donc cet homme a réalisé à juste titre que ses propres pensées et ses attitudes le condamnaient à la médiocrité. Ses propres pensées. Ce n'était pas la sorcellerie qui le condamnait. Ce n'était pas les gens. C'était ses propres pensées. Papa nous disait à l'enseignement d'hier, traiter les problèmes de tes origines. Que les premiers sorciers qui dérangent ta vie ne sont pas les sorciers de ton bureau. Ce ne sont pas les sorciers au jour d'aujourd'hui qui viennent de ton environnement, la maison où tu habites, du quartier où tu as acheté le terrain. Mais ce sont les ennemis du sang. Ça vient d'abord de l'intérieur de toi. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'homme se rend compte que ses propres pensées et ses attitudes le condamnaient à la médiocrité. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te condamne? Peut-être que ce sont tes propres pensées, tes propres raisonnements qui te bloquent. Oui,
Même après qu'on ait fini de te dire, de te prêcher, de te présenter ce que Christ a accompli à la croix pour toi, toi-même tu le vois, que voici ce que Christ a fait pour moi et voici ce qui me revient malgré les oppressions, les réclamations, malgré ce que je vis, je ressens, voici, je m'accroche. Des pensées en toi s'élèvent pour dire, ah, tu ne peux pas t'en sortir. Ah, c'est fini pour toi. Ah, ton sort est scellé. Ah, vois ton âge. Bien-aimé. Beaucoup sont condamnés au jour d'aujourd'hui, limités au nom de Jésus, à cause de la médiocrité de leurs pensées. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois libéré dans tes pensées. Le champ de bataille d'un homme, le premier champ de bataille, c'est sa pensée. C'est dans ta pensée, papa a l'habitude de nous le dire, papa Zoa, que c'est dans ta pensée au jour d'aujourd'hui que tu gagnes une bataille. C'est dans ta pensée que tu meurs. C'est dans ta pensée que tu perds la bataille. Alors l'homme a décidé, il a commencé à avoir une meilleure opinion de lui-même et à avoir une meilleure opinion de Dieu. La même chose que je te dis, commence à avoir une meilleure opinion de toi-même, commence à avoir une meilleure opinion de Dieu, commence à voir grand. C'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Ce n'est pas impossible. C'est la même chose pour nous. Nous devons concevoir intérieurement. Avant même de pouvoir recevoir extérieurement, tu dois d'abord concevoir intérieurement certaines choses, les voir depuis l'intérieur avant de les recevoir de l'extérieur. Si tu penses que tu ne recevras jamais quelque chose de bon, bien-aimé, tu n'auras jamais cette chose. Si tu penses que ton sort est scellé, quels que soient les apôtres, les pasteurs, les évêques, les évangélistes, tous ces hommes de Dieu qui prieront pour toi, rien ne changera. Rien, mon frère, rien, ma soeur. Si tu penses que tu es appelé déjà, ton heure est venue, que tu dois seulement mourir à cause de toutes les situations par lesquelles tu passes, même si on prie pour toi, comment on t'exhorte, comment, si depuis ton intérieur, ta pensée ne change pas, bien-aimé, rien ne changera à toutes les prières, à tous les jeûnes, à tous les sacrifices qu'on fera pour toi. Tu peux même bâtir. Au jour d'aujourd'hui, faire des sacrifices, bâtir des hôtels, faire ceci. Mais je suis en train de te dire que si depuis l'intérieur, tu ne vois pas grand, si tu ne vois pas ta victoire depuis tes pensées, si tu n'acceptes pas ta victoire depuis tes pensées, si tu n'acceptes pas la grandeur depuis tes pensées, bien-aimé, tu ne verras pas cela se manifester à l'extérieur. Est-ce que tu es là? Donc ce n'est pas au jour d'aujourd'hui le manque de ressources de Dieu ou un manque de talent qui t'empêche de prospérer. Ce sont tes raisonnements erronés qui peuvent éloigner ce que Dieu a au jour d'aujourd'hui de meilleur pour toi. Tes raisonnements erronés. Bien-aimé, il y a certains au jour d'aujourd'hui qui ont pensé qu'ils sont déjà arrivés au sommet, qu'ils ont atteint leurs limites, qu'ils ne connaîtront plus jamais davantage de succès. Et tu entendras quelqu'un dire, je n'accomplirai jamais quelque chose d'avantage, de significatif. Je ne ferai jamais quelque chose qui ait un sens ou je ne jouerai jamais de bonnes choses de la vie dont juste certains. Bien-aimé, je viens te dire qu'au jour d'aujourd'hui, à moins que tu décides de changer ta façon de raisonner, tu ne pourras pas voir le changement. C'est pourquoi, afin de vivre au jour d'aujourd'hui la grandeur, afin au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, de voir les choses changer, commence à voir grand. Ta première étape à franchir, bien-aimé, c'est de voir grand, c'est d'élargir ta vision. Pour vivre au jour d'aujourd'hui les grandes choses, commence à voir ça maintenant. Commence à voir ça maintenant. Commence à regarder la vie avec les yeux de la foi. Commence à t'élever toi-même à un niveau supérieur. Vois ton travail prendre un nouvel essor. Vois-toi avoir la promotion. Vois ton mariage être restauré. Vois ta famille, mon frère, ma soeur, prospérer. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais vois-toi guéri. Oui, vois-toi guéri. Vois-toi accoucher. Vois-toi te marier. Vois tes rêves se réaliser. Tu dois concevoir, bien-aimé, d'abord certaines choses intérieurement et croire que cela est possible. Et si tu vois cela, tu pourras expérimenter cela. Tu dois avoir une vision positive et intérieure de ce que tu veux voir arriver à l'extérieur.
Est-ce que tu me suis? Et cette visualisation, bien-aimée, doit faire partie de tes pensées. Dans tes conversations, au fond de ton subconscient, dans tes conversations, dans tes actes, dans chaque partie de ton être, tu dois voir le succès. Dois voir c'est accompli. Tu dois voir je vais m'en sortir. Tu dois voir c'est possible. Tu dois voir c'est pas fini. Tu dois voir Christ est victorieux et comme il est victorieux, je suis victorieux avec lui. Je ne peux pas échouer. Ce n'est pas fini pour moi. Le passé est passé. Ce ne sera pas demain, c'est maintenant. Je ne passe pas le temps à renvoyer à demain, 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 c'est maintenant. Bien-aimé, lève-toi depuis l'intérieur et tu verras aussi comment tu peux te lever et tu verras comment tu te lèves à l'extérieur. Bien-aimé, que la grâce de Dieu t'inonde encore cette semaine. Vois grand. Vois grand. Je vais te donner un autre témoignage. Il y avait une jeune dame. Depuis le temps où elle était petite, elle s'appelait Tara Holland. Depuis le temps où elle était petite, elle rêvait de devenir Miss aux États-Unis d'Amérique. Et en 1994, elle s'est inscrite au concours de beauté de Miss Floride. Elle a gagné le titre de première dauphine. Elle a décidé d'essayer à nouveau l'année suivante. Elle s'est inscrite au même concours. Une fois de plus, elle a gagné le prix de première dauphine. Tara a été tentée par le découragement, mais elle n'a pas cédé parce qu'elle voulait être Miss. Mais toutes les fois, c'était seulement le prix de première dauphine, première dauphine. Elle a voulu se décourager, mais elle ne s'est pas découragée. Refuse de te décourager. Refuse d'abandonner. Elle est restée concentrée sur son but. Elle a décidé qu'elle avait besoin de changer d'environnement. Aussi, elle a déménagé, bien-aimée, du Kansas. Et en 1997, elle s'est inscrite au concours de beauté de Miss Kansas. Et elle a gagné le titre. Cette même année, elle a persévéré. Elle a été couronnée Miss Amérique. Tara Holland a vu son rêve se réaliser. Bien-aimée, qu'est-ce qui s'est passé après le concours de beauté? Lors d'une interview, un journaliste lui demande, Tara, quel a été le secret de ton succès? C'est la question qu'on pose bien sûr, bien-aimée, à tout le monde. Elle a reconnu qu'après avoir perdu deux fois d'affilée aux compétitions de niveau national, elle avait été tentée d'abandonner. Mais qu'au lieu d'abandonner, elle a allé louer, elle a acheté et loué les vidéos de concours de beauté locaux, les concours de beauté nationaux. Et cette jeune adolescente, elle a commencé à voir comment les uns les autres travaillaient, comment les uns les autres marchaient. Elle a loué des centaines de vidéos de différents concours de beauté et elle observait encore et encore. Alors elle dit, alors qu'elle observait chaque jeune femme proclamée gagnante, elle s'imaginait elle-même aussi dans cette situation. Elle s'imaginait recevoir la couronne. Elle s'imaginait descendre l'allée victorieuse maintes et maintes fois. Elle s'imaginait en train de gagner. Elle a commencé à s'exercer. Elle dit, la clé de mon succès, c'était de me considérer comme une gagnante. Et un autre reporter se lève et lui dit, est-ce que tu ne penses pas que si tu t'étais sentie à un moment donné nerveuse en descendant l'allée devant des millions de spectateurs qui l'observaient à la télévision? Elle dit non. Non. Comme je viens d'avoir ce concours-là, je n'étais pas nerveuse. Pas du tout. Je n'étais pas nerveuse parce que j'avais déjà descendu cette allée des milliers de fois auparavant dans ma tête, dans mes pensées. Je me voyais descendre cette allée. Je me suis déjà vue. Je me suis déjà vue en train de descendre cette allée. Pas en me couchant et dormir dans les rêves, mais déjà dans ma tête, je voyais que j'ai cela. J'ai cette couronne. Amen. Donc, bien-aimé,
Cette jeune dame Tara Holland savait qu'elle ne peut pas être gagnante si elle ne se voit pas gagnante. Si elle ne se voyait pas gagnante, elle savait qu'elle ne peut pas gagner. Elle a dû reprogrammer ses pensées pour se débarrasser autant que possible de tout souvenir douloureux de défaite. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je viens te dire en cette fin de mois de septembre, en ce nouveau mois, en cette nouvelle semaine, bien-aimée, pardon, reprogramme-moi tes pensées. Débarrasse-toi autant que possible des souvenirs douloureux de la défaite, des souvenirs douloureux de l'échec, des souvenirs douloureux des avortements d'affaires, de grossesse, d'opportunités et de relations. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ces choses douloureuses qui te clouent. Et replace dans ton esprit la vision de succès, la vision d'aller de l'avant, la vision de voir cet enfant guéri, la vision de voir cet homme revenir, cette femme revenir, la vision de voir ses affaires prospérer, la vision de voir au jour d'aujourd'hui cet enfant changer, transformer, la vision de te revoir debout si tu étais couché malade, la vision de te voir travailler et tu te tiens, tu dis oui, je le peux. Tu dois te voir au jour d'aujourd'hui vainqueur. Tu dois te voir remporter cette couronne, mon frère, ma soeur. Tu dois te voir debout, vivant. Vois-toi vivant. Vois-toi vivant. Tu dois créer toi-même un environnement de foi, un environnement de réussite. Et c'est d'abord à l'intérieur de toi. Bien-aimé, ce que tu gardes devant tes yeux va t'influencer. Est-ce que la Bible ne nous dit pas dans 1 Corinthiens 15 qu'on croit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Elle s'était, dans son témoignage, elle dit qu'elle s'était, elle avait loué des vidéos de tous ceux qui ont gagné et non de ceux qui ont échoué. Qu'est-ce qui passe dans ta tête? Tel avait commencé, il a échoué. Tel a commencé, il a mal fini. Oh, je ne peux pas m'en sortir, je pense que c'est fini. Quand je regarde la situation dans la famille, quand je regarde mon âge, quand je marche avec tel ami, quand je vois tel ami, vous avez déjà fait ça, on a fait des associations de célibataires, des associations de femmes divorcées, des associations d'hommes, d'hommes de ceci, d'hommes de cela, des dessus et des découragés. Non. Accompagne-toi des succès, accompagne-toi des gens qui ont réussi. Marche au jour d'aujourd'hui et vois des gens qui ont réussi et tu vas réussir. Parce que ce que tu gardes devant tes yeux va t'influencer. Ce que tu gardes devant tes yeux va t'influencer. Tu vas reproduire ce que tu gardes continuellement à l'esprit. Qu'est-ce que je dis? Je dis, tu vas au jour d'aujourd'hui reproduire ce que tu gardes constamment à l'esprit. Si c'est la mort que tu gardes constamment à l'esprit, c'est ça que tu vas reproduire. Si c'est fini, cette relation est finie, ce projet impossible que tu gardes constamment à l'esprit, alors bien-aimé, c'est ce qui va se produire. Si au jour d'aujourd'hui, tu entretiens des images d'échecs, des images de défaites, alors, mon frère, ma sœur, sache que tu vas vivre une vie d'échec, une vie d'échec, de déception en continu. Mais si tu développes une image de victoire, une image de succès, une image de santé, une image d'abondance, si tu développes une image de joie, de paix, de bonheur, rien sur terre ne sera en mesure de retenir ces choses loin de toi. Si tu es constamment en train de voir comment ta femme s'en va, comment ton mariage se gâte, comment ton travail est fini, comment tu es toujours malade, ce n'est que ça qui va t'arriver. Change ton intérieur et l'extérieur aussi va changer. Si à l'intérieur de toi, tu es maussade, tu es constamment, je ne sais quoi dire, bien aimé, c'est ça qui va se passer à l'extérieur. Trop souvent, nous restons souvent pris dans une routine, pensant même à un moment donné que nous avons atteint nos limites. Nous ne mettons pas, bien-aimés, notre foi à contribution. Nous ne croyons pas à quelque chose de plus grand. Dieu désire, bien-aimés, que tu croisses constamment. Dieu désire que tu croisses pour atteindre de nouveaux sommets. Dieu veut que tu croisses dans ta sagesse. Il veut t'aider à prendre de meilleures décisions en cette semaine. Dieu veut que tes finances augmentent. Dieu veut aujourd'hui te donner une promotion, une santé. Il a déjà même accompli toutes ces choses. Il a déjà acquis ces choses. Il veut au jour d'aujourd'hui que tu aies des idées nouvelles, créatives. L'écriture bien-aimée au jour d'aujourd'hui de Dieu veut se manifester dans ta vie. L'infinie richesse de sa grâce veut se manifester.
Dieu veut au jour d'aujourd'hui que tu vives le meilleur, que tu vives des bonnes choses. Dieu le veut. Et c'est pour cela qu'il est mort à la croix par Jésus-Christ. Mais pour recevoir cette grâce, tu dois au jour d'aujourd'hui voir grand. Tu dois changer tes pensées. Tu ne peux pas tourner en rond, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, avec des pensées négatives, avec des pensées limitées, avec des pensées défaitistes. Tu ne feras que tourner en rond, pardon. Tu ne pourras pas avancer. Oh bon, moi je pense que je suis déjà assez allé aussi loin que mon éducation me le permet. Oh, moi j'ai eu cette maladie pendant des années. Je pense que c'est mon lot pour ma vie. Je pense que cette maladie, je vais porter cette charge toute ma vie. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est déjà à l'intérieur de toi. Et n'oublie pas, on va avoir le temps de le voir. Ce que tu déclares, c'est ça qui t'arrive. Et ça vient de la pensée. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, garde encore ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. On va encore voir cela. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord à l'intérieur. Donc, pour mon frère, ma soeur, fais l'expérience de la grâce incommensurable de Dieu. Tu dois te débarrasser au jour d'aujourd'hui de cette étroitesse d'esprit. Et tu dois commencer à t'attendre aux bénédictions de Dieu. Commence à anticiper une promotion. Commence à avoir une croissance naturelle. Tu dois concevoir dans ton cœur, dans ta pensée, avant de pouvoir le recevoir. En d'autres mots, je veux te dire quoi ce matin? Je veux te dire que tu dois faire de la place pour une croissance dans tes propres pensées. Et c'est alors que Dieu va te donner ces choses auxquelles tu aspires. Jusqu'à ce que tu apprennes, mon frère, ma soeur, à voir grand. Jusqu'à ce que, bien-aimé, tu commences à voir un grand avenir au travers des yeux de la foi. Bien-aimé, ta propre compréhension erronée va empêcher les bonnes choses d'ancrer dans ta vie. Dieu ne déversera pas des idées nouvelles, des idées créatives, des bénédictions dans ta vieille façon d'agir. Tu dois au jour d'aujourd'hui concevoir dans ton cœur et dans tes pensées afin de pouvoir le recevoir. Conçois dans ton cœur ton succès. Conçois dans ton cœur ton travail, ta grandeur, ta victoire. Et là, tu pourras au jour d'aujourd'hui le recevoir. Vois quand. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu t'inonde. Je prie ce matin que Dieu te guérisse de tous les échecs et traumatismes passés. Que tes pensées soient renouvelées par le précieux sang de Jésus. Par le précieux sang de Jésus. Quiconque à l'écoute du son de ma voix et qui était embrigadé par des pensées d'échec, de peur, de défaite, de déception, par le sang de Jésus, que les forteresses qui ont paralysé tes pensées te lâchent, te lâchent, te lâchent. Je dis à quelqu'un ce matin, améliore tes compagnies. Parce que c'est ce que tu gardes au-devant de toi en continu qui va se réaliser. Revois, vois les gens qui ont réussi. Tu as seulement vu tout autour de toi au jour d'aujourd'hui comment les forces ont emporté telle, comment telle a échoué, comment. Commence à voir les gens qui ont réussi. Commence à voir les gens qui sont allés de l'avant. Commence à voir les gens qui ont dépassé les limites d'où tu te trouves. Et tu vas voir cela se réaliser. Tu vas voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Ne sois plus ton propre blocage. Ne sois plus ton propre blocage. Christ a déjà tout donné. Christ a déjà tout donné. Ne te bloque plus toi-même aujourd'hui dans tes pensées, dans tes raisonnements, en disant telle maladie est incurable. Qui t'a dit que c'est incurable? À Dieu, rien n'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit, voit avec les yeux de la foi et non avec les yeux de la chair. Avec Dieu, tout est possible. Cet enfant peut changer. Cet enfant va revenir. Je n'ai pas dit peu, je dis va. Parce que c'est le droit d'alliance que nous avons avec Dieu qui ramène les cœurs des pères vers les enfants et des enfants vers leurs pères. Le Dieu qui a ramené le Fils prodigue est celui qui ramène ton enfant à lui et à toi dans le nom de Jésus. Mais vois cela. Vois cela. Cesse de dire c'est fini. Cesse de dire je ne peux pas m'en sortir. Cesse de dire rien de bon ne sortira de cette progéniture. Qui t'a dit ça? Et tout part de tes pensées. Renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées, que ta pensée soit adaptée à ce que Christ dit. Comment donc je vais renouveler mes pensées? On aura le temps de le voir. Mange la parole comme papa disait hier à l'enseignement, que je t'exhorte encore de suivre et reçu. C'est un enseignement sans commentaire, des puissantes révélations, des choses jamais entendues. Je n'avais pas encore entendu ça depuis.
et je dis merci à Dieu. Donc, renouvelle tes pensées. Mange la parole. Rentre en communion avec Dieu. Lis la parole. Médite-la. Plus tu la médites, plus tu vois ce que Dieu dit de toi, plus tes pensées, tes raisonnements sont transformés dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie que la mentalité d'échec te lâche, de découragement te quitte, d'abattement te lâche dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas ton oppression, ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ton échec, ce n'est pas ton lot cette situation. Refuse ce bagage que Christ a pris à la croix en te donnant sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, que la grâce de Dieu t'inonde en cette nouvelle semaine, que tes pensées soient renouvelées et transformées dans le précieux nom de Jésus-Christ, que depuis l'intérieur, tu acquiers la victoire, afin que lorsqu'au jour d'aujourd'hui, nous déclarons dans ta vie, les choses se manifestent puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Très bonne semaine dans le nom de Jésus. Que vos sorties, vos entrées soient bénies par le précieux sang de Jésus-Christ. Nous disons Amen.